comme je développais, Sem, Cham, Japhet, donc l'identité, ensuite vraiment la puissance, le feu, et après Japhet, bah, ça veut dire qu'il se diffuse, qu'il se répand, tout le programme de Dieu est là. Et donc bien sûr, dans la révélation de notre identité, on est transformé à l'image de ce qu'on contemple, donc il y a aussi la démonstration de cette puissance qui va se manifester naturellement. Amen. L'ennemi tremble quand on est assis dans les lieux célestes avec Christ. Pas quand on est en bas, on ne peut pas le boxer depuis le bas, vous êtes d'accord? Mais quand on est en haut, ben là il tremble et il a peur. Donc le but c'est de ne pas redevenir sur le terrain de jeu de l'ennemi. Donc de rester fermement ancré par la foi, de combattre le bon combat et de garder ce cap dans lequel on est assis. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, donc ce soir on va parler de guérison, la guérison divine. Alors sur plusieurs plans, hein, la guérison, Thessaloniciens nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, est-ce que Dieu veut nous guérir? Seigneur, est-ce que tu veux bien me guérir? Vous avez vu ce matin, on a parlé des prières qui ne touchent pas le plafond. Et quand on regarde depuis le haut, bah oui, je t'ai déjà guéri et je veux que tu l'amènes sur la terre comme au ciel. Mais ce n'est pas « est-ce que je veux bien faire ce que j'ai déjà fait ?» Parce que oui, je l'ai fait. À la croix, tout est payé. « Tetelestai », c'est ça le mot. Tout est payé. La dette est entièrement payée. Amen. Donc, le Seigneur, il nous a déjà sauvés, délivrés et guéris. Le mot « salut », « sozo », il veut dire toute cette dimension. Amen. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on puisse comprendre quel est notre héritage après la révélation de notre identité. Sinon, si on ne comprend pas notre héritage, on ne va pas pouvoir en prendre possession. Vous êtes d'accord? C'est par la foi qu'on hérite de la promesse. Amen. Donc, on peut hériter de la promesse de l'ennemi si on met foi à un mauvais concept de pensée, ou on peut hériter de la promesse de Dieu. Et le monde, depuis notre enfance, depuis les générations, passe son temps à nous pétrir d'une autre identité, d'une autre pensée que la pensée de Christ. Oui ou non? Vous avez déjà été formaté, oh là là, c'est normal que tu aies des douleurs, ou que tu aies des problèmes de vue, ou que tu aies ci, ou que tu aies ça, parce que tu commences à avancer en âge. Et bien ça, c'est autant de forteresses, et si on adhère à ces choses-là, ben, qui viennent nous enfermer et nous limiter dans la guérison divine. Et donc Dieu, il veut faire tomber les faux raisonnements. Donc sozo, qui vient du grec, ça veut dire sauvé, être guéri, être délivré. Amen. Donc c'est la notion de salut, il comprend toute cette dimension. C'est pas le fait d'être sauvé, d'être guéri et d'être délivré que après cette vie-là, vous êtes d'accord? C'est ici et maintenant le salut. Dieu, il est « je suis » ou il est « j'étais » ou « je serai ». Et donc, l'éternité, c'est maintenant. Ok? Donc, la Bible, elle nous dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, pour la guérison, il va falloir comprendre qu'il y a des clés. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les clés de la guérison ». C'est pas pour enfermer Dieu dans une méthode, dans une stratégie, où après on contient Dieu en disant on lit ce livre, ça y est, on sait guérir tous les gens en utilisant une méthode. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Donc c'est simplement des clés pour élargir et pour vous dire dans quel domaine Dieu peut parler. Donc Jean 5, verset 19, ce qui est important, il y a beaucoup de personnes déjà qui me disent « Mais toi tu vois plein de guérisons et moi j'en vois pas, comment ça se fait ?» Il y a déjà des fois, simplement, est-ce que tu pries pour les gens? Combien de personnes t'as prié cette semaine? Aucune. Bon, ben voilà. Donc simplement, déjà, moi au début, je me suis mis en mouvement. J'ai compris que Dieu voulait délivrer, Dieu voulait guérir. J'ai commencé à prier pour des personnes. J'ai semé là-dedans. Et au début, je ne voyais même pas une goutte au nez qui séchait. Mais plus j'ai persévéré là-dedans, plus j'ai commencé à semer là-dedans, plus j'ai commencé à contempler cette dimension-là, et ça a été une petite entorse. Puis après, ça a été une douleur. Puis après, ça a été des os qui se remettaient en place, des cancers, des membres qui repoussaient, et tout un tas de choses, puisque ça va de gloire en gloire. Amen. Mais des fois, on n'est arrosé que si on sème. À quoi ça sert d'avoir tout le meilleur don prophétique ou la plus grande onction prophétique si tu ne vas pas libérer une parole?
Et bien dans la guérison, ça fonctionne aussi comme ça. Si tu as des talents à la mesure de foi où tu en es, la Bible elle dit qu'il y a, selon la mesure de foi qui a été impartie à chacun, ben si tu as des talents à cette mesure-là et que tu ne commences pas à les distribuer, ben tu ne vas pas en recevoir davantage. Amen. Voilà, et le but c'est de ne pas enterrer les talents. Amen. Donc, Jésus, dans Jean 5, verset 19, déjà, comment il fonctionnait, Jésus, qui s'est identifié à nous, et c'est « Nul disciple n'est plus grand que son maître », c'est ce que nous dit la parole, vous êtes d'accord ? Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, donc il y a une vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Amen. Donc, en réalité, Cyril ne fait rien de lui-même, il fait ce qu'il voit faire au Père, et du coup, ça fonctionne, puisque ça vient d'en haut. Amen. Amen. Assis dans les lieux célestes avec Christ. On contemple ce qu'il fait, on appelle à l'existence la parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai mis du temps à comprendre, parce qu'au début, je priais pour 100 personnes, parce que moi, j'étais violent, hein, au début de ma conversion, j'étais un fou. J'allais dans les hôpitaux psychiatriques, je rentrais, je m'incrustais dans les services, je voulais délivrer tout le monde et je faisais du « au nom de Jésus, à tout va ». Bon, y en a qui étaient délivrés, mais il y en a beaucoup à qui c'était un faux Jésus que je leur prêchais, quoi. J'allais dans les hôpitaux et puis j'allais dans les ailes où c'était des cas incurables ou même des gens qui étaient amputés. Et puis j'allais dans les chambres, je dis « Jésus veut vous guérir et vous allez, le membre va repousser ». Et le mec il me regardait comme ça et... Et moi j'allais, je dis, c'est pas grave, j'ai la foi pour vous. Et je priais. Et bon, il se passait rien. Mais Dieu a fait des grâces quand même à des moments. J'allais dans les centres de désintoxication, je rentrais, et puis j'ai eu des encouragements du Seigneur. Mais disons que Jésus, il faisait du 100%. Et que moi, si je regardais, on disait, Cyril, il porte du fruit dans la Drôme, dans la guérison. Mais pour eux, ils regardaient à ces 10 guérisons qu'il y a eu dans la semaine. Et moi, je regardais aux 100 personnes pour qui j'avais prié. Et aux 90 cas où j'avais prêché un évangile pourri. J'ai dit, mais Jésus, il ne fonctionne pas comme ça. Et donc, je me suis questionné sur qu'est-ce qui n'allait pas dans ma manière de fonctionner, pourquoi je ne voyais pas plus de fruits alors qu'il a tant aimé tout le monde. Il n'a pas donné du chocolat à l'un et pas à l'autre. Oui ou non ? Suivant les goûts, il distribue, il multiplie les pains, peut-être au chocolat ou chocolatine, suivant les régions. Donc, il y a une différence dans la Bible entre la parole, le logos, qui est en théologie quelque chose qu'on dit, un discours qu'on adresse à un ensemble de personnes, un discours général. Jésus, il représente le logos, il est venu parler en général à l'Église. Mais on doit fonctionner pas en général, on doit fonctionner à l'écoute du Saint-Esprit sur une manière bien ciblée. Vous êtes d'accord avec ça ? En général, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il nous a appelés à vivre dans le miraculeux, à marcher sur l'eau ? Oui, en général. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu t'a rien dit, tu vas marcher sur l'eau parce que tu l'as lu en général, tu vas couler ? Donc... Il y a une différence entre le logos, qui est un discours adressé à un ensemble de personnes, ou même quand il dit « allez, imposez les mains aux malades, guérissez, chassez », tout ça, c'est une direction générale pour l'Église. Vous êtes d'accord avec ça ? Et des fois, quand on regarde ce principe-là sur une manière, dans une direction générale, on commence à en faire une méthode que tout le monde doit fonctionner. Allez dans les rues, priez, imposez les mains, chassez, c'est l'ordre que Dieu vous a donné. Mais là, on fonctionne dans une direction générale, et pas personnellement de la manière dont Dieu veut nous utiliser, nous pour guérir ou nous pour délivrer. On a des sphères différentes d'autorité, on a des milieux différents, des manières différentes de pouvoir amener la parole, et là on recommence un système, on refait des briques moulées plutôt que des pierres vivantes. Amen. Et donc Dieu, il nous a appelés tels que nous sommes, vous êtes d'accord ? Et il veut utiliser notre personnalité propre, pas faire des robots. Et donc,
Donc le logos, c'est un discours adressé à un ensemble de personnes. Après que Jésus eut achevé ses discours, logos, la foule fut frappée de sa doctrine. Luc 3, verset 4, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le logos encore, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le rhéma, puisque c'est traduit par parole aussi dans la Bible, mais c'est complètement différent. Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, si je le lis comme ça, je me dis, mais la foi vient de ce que j'entends vient de la parole. Et donc, je me mets comme un mantra, un verset de la Bible pour essayer qu'il s'imprègne. Et plus je vais l'écouter, plus je le proclame, plus je crois qu'il va s'imprégner. Alors que là, il est parlé d'une parole de révélation que Dieu nous adresse personnellement. Je peux confesser, je vais marcher sur l'eau, je vais marcher sur l'eau, je vais marcher sur l'eau, je vais marcher sur l'eau. Voilà. Si Dieu m'a rien dit, je vais me noyer. Ou la bouée de Michel. Et donc, voilà, Dieu fait grâce, hein. Merci Seigneur. Et donc, aujourd'hui, il est important de ne pas fonctionner sur la foi du discours logos, mais sur la foi de la parole rhéma de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a entendu une personne qui a été guérie d'un cancer parce qu'elle a fait telle chose que moi je dois adapter la même méthode. Et ce n'est pas non plus parce que ce que Dieu m'a dit hier, ça a fonctionné hier, qu'aujourd'hui ça a fonctionné. Si dans le désert je mange de la manne d'hier et pas le pain du jour, ben elle peut se gâter, donc je vais mourir. Et donc je vous dis ça, pourquoi ? Parce que je veux amener un équilibre dans la guérison. Hein. Une fois, il y a une dame sur la Côte d'Azur... qui vient me voir, elle a un cancer qui est en train de passer en phase, en stade 4, donc qui se généralise. Mais il peut encore être pris en charge parce qu'il est encore en stade 3, il n'a pas dépassé le ganglion sentinelle, je crois, un truc sous le sein. Et je lui dis, écoutez, voilà, on va prier, mais je n'ai pas vraiment une direction précise de Dieu. Et elle me dit, mais moi j'ai la foi parce que j'ai été guéri il y a 20 ans de quelque chose ou quoi, donc j'ai la foi, le Seigneur va le faire, je ne passe par aucun traitement médical. Je lui dis, écoutez, vous avez la foi parce que Dieu l'a fait, mais il vous avait parlé à l'époque. Oui, il m'a dit qu'il allait me guérir de ce truc à l'époque. Je dis, ok, et là, est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Non, mais j'ai la foi parce qu'il l'a fait hier. Je lui dis, écoutez, la foi, c'est quelque chose qu'on possède, que Dieu nous donne, et c'est une parole qui vient nous adresser sur la situation en particulier. Je lui dis, moi, en l'absence d'une parole rhéma de Dieu, il a fait les artisans pour prendre soin du temple aussi. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc je lui dis, moi j'irai en tout cas essayer de prendre soin de mon temple et de faire tout ce que je peux pour essayer de porter la vie. Cette femme ne m'a pas écouté, elle m'a dit non, moi j'ai la foi, je reste sur ce qui a été fait, et puis elle est morte. Donc je ne suis pas en train de casser, je crois à la délivrance, je crois à la guérison, je crois au miracle de Dieu, mais je crois aussi que des fois il nous fait passer par certaines choses où on doit passer aussi par l'aspect médical. Moi, un jour, j'avais un problème aux dents, et quand j'ai prié pour des gens, j'ai vu des dents en or apparaître, j'ai vu des dents repousser. Puis moi, j'avais un problème à la dent, et j'ai attendu des mois et des mois, ça commençait à me monter, à me faire mal à toute la tête, et j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, tu la changes en or, tu la fais repousser. Et il ne se passait rien du tout, et à un moment, j'ai dit, bon, allez, je vais t'écouter, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il me dit, va voir le dentiste. Donc, vous voyez où je veux en venir, quoi. Donc, la lettre sans l'esprit, sans qu'il me mette sa parole rhéma dessus, ça peut être une lettre qui me tue. Donc, j'ai besoin de fonctionner comme Jésus, puisque nul disciple n'est plus grand que son maître, et il fait que ce qu'il voit faire au Père. Amen. Donc, c'est important aujourd'hui, pourquoi ? Parce que des fois, il y a des personnes, « Priez pour moi, pasteur, nanani, nanana, je sais que vous vivez dans la guérison, je ne dors pas la nuit, j'ai mal à la tête tout le temps, j'ai ci, j'ai ça. » Et puis des fois, il y a des moyens très humains de pouvoir amener la guérison à ces personnes, ou un soin. Écoutez, racontez-moi un peu votre vie. « Oh là là, au boulot, je suis persécuté par mes chefs, je me réfugie dans la salle de pause et je bois café sur café, j'en bois 12 par jour. » Mais écoutez, vous dormez pas la nuit, je vais pas prier pour vous dormir mieux, changer d'hygiène de vie, quoi. La repentance, elle va aussi avec la réforme de certaines choses. Amen. Donc,
Donc, quand il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, vous n'êtes pas appelés à tous faire la même chose au niveau de la fondation et de faire des disciples. Vous, peut-être que Dieu va vous appeler en politique et vous allez faire des disciples de Christ dans le mandat dans lequel Dieu vous a confié. Peut-être que vous allez évangéliser à travers un commerce, une friperie ou donner des paroles de connaissance aux gens qui viennent acheter des trucs chez vous. Vous n'êtes peut-être pas allé dans les cités, dans les rues, à aller faire du porte-à-porte. On a chacun une manière unique dans laquelle le Seigneur nous appelle et comment il veut nous utiliser. Donc, pour vous expliquer avec quelque chose d'un peu simple, on va prendre une image, je ne sais pas, une grande enseigne de supermarché décide aujourd'hui de dire, allez, nous on veut s'implanter partout en Normandie, voilà, il envoie une lettre à toutes ses équipes, ses collaborateurs, on veut gagner du terrain en Normandie, on va implanter ci, on va faire ça. Ça, c'est le discours général du patron d'une grande enseigne de distribution, par exemple, qui veut s'implanter en Normandie. Maintenant, la parole Réma, ça pourrait être la lettre personnelle qu'il va adresser à son directeur commercial, au service de comptabilité. On va réduire, on va travailler à flux tendu, on va réduire les stocks, on va ci, on va ça. Et les équipes vont s'aligner dans l'armée en fonction d'eux pour pouvoir gagner du terrain et aller en conquête dans cette dimension-là. Mais chaque service ne fonctionne pas pareil. Amen. Il y a plusieurs fonctions dans le corps. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. Donc, ça va, vous avez compris un peu la différence logos-réma ? D'accord. Donc, Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc je ne sais pas ce qu'il convient de demander dans ma prière. Donc si je ne demande pas à l'Esprit de m'aider sur une situation. Et donc c'est trompeur, parce que des fois, quand tu vas prier pour 100 personnes, Dieu fait grâce. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi aligné sur l'obéissance à sa parole. C'est ça qui est fou. Mais Dieu aime. Donc Dieu peut faire parler un âne ou une ânesse. Donc des fois cet âne c'était moi. Donc de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Une fois, je vivais à Montpellier, dans une cité, un quartier chaud, et il fallait presque montrer ses poches en rentrant au dealer du coin qui nous permettait ou pas de rentrer chez nous. Ça paraît fou, ça, hein ? Donc dans ce quartier, dans cette zone sensible, où on avait du mal à dormir, il y avait les voisins qui écoutaient du rail jusqu'à 4h du matin, quand on sortait dans le couloir, toute la famille sortait, on manquait de se battre, c'était très conflictuel, les voisins armés, cocaïne à fond au bas du quartier avec des gens qui faisaient le why tout le temps, des personnes qui étaient dans le magnétisme et l'occultisme, on avait un célèbre magnétiseur qui habitait dans cette tour. Moi, je me suis dit, Seigneur, tu m'appelles à être la lumière du monde et tout, comment je peux porter la vie dans ce lieu-là ? Donc j'ai commencé à essayer de témoigner à mes voisins, qui finalement, vu que j'étais pas, j'étais bien dans le relationnel, donc mon voisin magnétiseur m'appelait le curé. Mais j'essayais de lui témoigner, je lui disais les miracles que Dieu peut faire, et lui il me disait, ouais, moi je prends du fric comme ça, je guéris les gens des entorses et de cancer, ils viennent me voir ici et ça, mais vous savez, le diable, il donne 10 euros s'il peut voler 100. Donc il y a un roulement dans le spirituel, il gagne plus de droits en réalité. Et donc vous allez être guéri de votre herpès et 3 ans après vous avez un cancer. Et donc Joe il s'appelait. Un jour je descends de la tour et en bas il y avait le bar du quartier avec des musulmans qui étaient là et puis on buvait le café. Et puis je passe dans la rue et puis Joe il est là, il commence à raconter ses blagues, ses histoires de magnétisme et tout. Puis il me voit passer et il dit, tiens, voilà le curé. Eh, viens un peu nous voir par ici, toi. Donc j'y vais. Et puis là, il me dit, ouais, ton Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, ton Jésus ? Il avait des problèmes aux genoux, d'arthrose sévère. Et puis, moi, je commence à dire, Jésus peut tout. Je vais vous montrer que la parole de Dieu, elle est vivante et que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y avait des musulmans et tout. Je me suis dit, Seigneur, merci pour la porte que tu m'ouvres et tout. Moi, j'étais comme ça. Hein.
Et puis je commence à me mettre à terre, je prie pour ses genoux au nom de Jésus. J'ordonne la guérison. Au nom de Jésus, j'ordonne la guérison. Au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus, j'ordonne la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Zu. Et puis et plus je prie, plus j'ai la petite goutte sur le côté là. Et là, je dis, il y a les musulmans, lui, il en rajoute, ton Jésus, voilà. Et là, je dis, mais je suis ridicule, aide-moi, fais quelque chose, tu peux pas me laisser comme ça, je me mouille pour toi, je suis devant tout le monde, allez. Et je continue, au nom de Jésus, Jésus, Jésus. Je désespère et à un moment, je pense que je vais arrêter. Et dans ma voix, dans ma tête, j'entends une petite voix qui me dit, crainte. Et moi, je dis, mais je crains pas, tu vois, je suis là, je me mouille pour toi, j'y vais s'il faut encore. Et j'entends crainte. Et puis à un moment, je me dis, bon, perdu pour perdu, je vais quand même libérer ça. Et je dis, ben, au nom de Jésus, maintenant, je brise la crainte sur ta vie. Au moment où je dis ça, Dieu m'ouvre les yeux spirituellement. Je vois, au moment où je parle, une lumière qui sort de ma bouche, qui va se poser sur ses genoux. Et il est instantanément guéri. Donc je reprends de ma superbe. Vous voyez, je vous avais dit que Jésus, nanani, nanana... Et puis, bon, je savais pas trop ce qui s'était passé, donc après je vais lui parler, je lui dis voilà, alors explique-moi la crainte, les genoux. Il me dit bah oui, toute ma vie, avant d'être dans le magnétisme à plein temps, de recevoir le don de ma grand-mère ou je sais pas quoi, j'ai été carreleur. Et la maladie du carreleur, c'est d'avoir des problèmes aux genoux. Il n'y avait pas avant tous les genouillères comme on a maintenant, et donc c'était pénible. Et lui, il a craint toute sa vie d'avoir des problèmes aux genoux. Ce qu'il a craint lui est arrivé, ce qu'il a redouté l'a atteint, la racine, la porte ouverte, c'était ça. Et donc si l'interrupteur, il est là, et que moi je décide d'appuyer là, d'appuyer là, d'appuyer là, est-ce que ça va allumer la lumière de Dieu sur sa vie? Et donc j'aurais pu forcer, crisper, plier les sourcils, faire plus, ça n'aurait rien changé du tout. Donc la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins, parce que c'est lui qui l'envoie. Amen. Donc c'est important, vous connaissez l'histoire du poirier ou pas? Non? Allez, je vais vous la raconter, elle est marrante. C'est une histoire vraie apparemment. Un jour, il y a un gars qui va dans une station service et puis il va pour mettre son essence, comme tout le monde normalement. Et puis Dieu lui dit, fais le poirier. Donc là, le mec, voilà, et puis il attend un peu parce qu'il y a du monde et tout, puis il entend Dieu lui dire, vas-y, fais le poirier maintenant. Puis le mec, allez, il dit, bon, j'obéis, il se met les deux mains au sol, les pieds en l'air contre la pompe à essence, et puis il attend comme ça, 30 secondes, déjà, faut savoir faire le poirier, hein, mais... Et le gars, il tient comme ça, et puis finalement, il se remet sur ses deux pieds, regarde s'il a passé ce moment ridicule, et il va vite régler sa course. Et là, quand il rentre dans la... quand il rentre dans la station... Il voit le caissier en pleurs et lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui vous arrive? Il lui dit, mais vous savez pas, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me parler de Jésus, je l'ai envoyé promener, et je lui ai dit que je croirais le jour où je verrai quelqu'un faire le poirier dans ma station-service. Donc je vous disais ce matin, la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse humaine. Alors c'est un gars que j'ai rencontré, un prophète africain, qui me racontait cette histoire. Et en Afrique, il est en train de prêcher. Et puis il y a le temps de louange, et puis l'onction tombe, tout le monde est visité dans la salle. Et vous savez, la culture africaine, l'homme c'est l'homme, quoi. Et donc, lui, il me dit, à un moment, tout le monde est là, et puis d'un coup, j'entends Dieu me dire, tu vas aller voir cette personne là-bas, un homme, et puis tu vas te mettre à côté de lui, et tu vas lui mordiller, lui lécher l'oreille. Donc, tout le monde est dans l'onction, ça. Et lui, il entend, tu vas aller te mettre à côté du gars, et lui mordiller, lui lécher l'oreille. Donc, il redemande à Dieu, quand même, et Dieu lui dit, oui, oui. Et donc il décide de s'exécuter, donc il descend, et puis il se met à côté du gars, et puis il commence à lui mordiller, à lui lécher l'oreille, quoi. Le gars, il tombe en pleurs.
Donc il tombe en pleurs et puis après il lui demande, il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous mordiez l'oreille et tout. Il lui dit mais vous savez pas, moi j'étais pas chrétien, ma femme elle m'a tiré ici là, son Dieu, son Dieu, son Dieu, et je lui ai mis un ultimatum. J'ai dit bah si t'existes, qu'il se passe aujourd'hui quelque chose que ma femme quand on est dans l'intimité comme ma femme elle me fait et que j'aime bien, et je saurai que tu existes. Donc je vais lécher l'oreille à personne là ce soir, je vous rassure. Mais Dieu a de l'humour, hein, vous voyez, et puis il casse les codes. Hein. Luc 13 à partir du... Luc 13, 10 et 11. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du Shabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé un esprit d'infirmité, c'est ça qui a amené la guérison. Donc la guérison ne dépend pas des fois que d'une parole pour la guérison ou de prier pour la guérison, mais des fois il y a un esprit qui vient tenir l'âme aussi captive et influencer la mentalité et puis tenir aussi une partie du corps captif. Et peut-être 60% des guérisons où on dit oui, Cyril, il opère dans la guérison, ben c'est venu par des délivrances. Donc c'est important de demander à Dieu comment vous priez, parce que si vous priez pour une guérison, ben le démon il va se marrer, et même des fois, vous posez la main à un endroit et la personne vous dit « Oh là là, c'est plus au genou, c'est à la hanche, oh là là, c'est plus à la hanche, c'est à la tête, oh là là, c'est dans l'œil, c'est dans le dos, ou quoi, et l'esprit s'amuse, quoi. » Et donc c'est important de savoir ce qu'il faut demander, ce qu'il faut prier. On connaît la vérité et c'est la vérité qui amène l'affranchissement. Amen. Donc il est important, comme je vous le disais aussi, de pouvoir avoir une dimension de foi. Vous vous rappelez ce matin ce que j'ai dit pour Madagascar, ce lieu où ils n'étaient pas ouverts au Saint-Esprit, où ils parlaient en langue, il y a toutes ces choses-là, ils croyaient que ça avait cessé, ben, ils étaient fermés spirituellement. Il a fallu les éduquer et ouvrir l'atmosphère du ciel pour que bah, le royaume de Dieu puisse passer. Sinon, même Jésus, rempli de toute l'onction venant du Père, dans la ville où il a grandi, quand ils l'ont vu comme le fils du charpentier, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur positionnement de foi. Donc notre foi, elle doit être agissante aussi. Et parfois, Jésus, qui guérissait jamais de la même manière, il a dit, voyant que la personne avait la foi pour être guérie. Alors écoutez, je vais vous raconter encore un petit témoignage, moi qui me fait rire des fois. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des demandes de prière parce qu'ils ont commencé à voir des vidéos, il y avait des paralytiques qui se levaient, des cancers guéris, témoignages avec preuves médicales, et donc j'ai beaucoup de sollicitations là-dessus pour la guérison. Et je ne peux pas prier pour tout le monde, en tout cas en individuel. Et donc j'essaye de répondre autant que possible aux personnes et je leur dis écoutez, voilà, je me mets à l'écoute, oui, je prierai pour vous, nanani, nanana, et j'essaye de respecter tous mes engagements autant que possible. Il y a des fois, je suis surpris que j'ai passé ma journée en zappant complètement le message ou les messages. Et puis à la fin de la journée, oh, merci pour vos prières, c'est incroyable, je suis complètement guéri. Et donc ils ont eu la foi, ils ont puisé dans le puits qui était ouvert en Christ, ils ont puisé dans l'onction, ils ont reçu ce qu'il y avait à prendre. Amen. Et leur système de croyance était là pour pouvoir toucher le pan de la robe à travers Cyril, qui était juste simplement le pan de la robe de Jésus qui touchait. D'un ami, il arrivait en Inde et puis il laisse les chaussures à l'entrée. Ils m'ont dit, il y a des gens qui ont vu tellement de guérisons qu'ils ont cru que j'étais presque un dieu. Et quand ils ont mis mes chaussures, tous ceux qui ont mis mes chaussures, ils ont été guéris. On me l'a fait avec des draps dans lesquels j'avais dormi, on couchait les personnes et les personnes étaient guéries. Donc la foi de la personne, elle est agissante pour pouvoir puiser dans le dépôt de l'onction aussi, des fois qui reste sur un lieu, sur un linge, quelque part. Donc il est important aussi d'avoir des croyances justes. Pourquoi ? Parce que si j'ai une foi qui vient, une tradition qui vient contre la parole de Dieu, ça annule la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements
Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, des fois, on a des pensées, des systèmes de pensées forteresses qui viennent nous emprisonner, qui deviennent des captivités, où on a été bâti là-dedans, et du coup, bah, Dieu ne passe plus. Et donc, il va falloir renoncer à certains systèmes de pensées. C'est ça la repentance, la métanoïa, un changement de pensée, un réalignement vers la pensée de Dieu. La teshuva, c'est un retour vers le Père. Donc, quand tu retournes vers le Père, quand tu te réalignes dans ton positionnement identitaire. Et donc, c'est important aujourd'hui de comprendre qu'il y a des systèmes de croyances qui nous limitent dans la guérison. Par exemple, ben justement, je vous disais tout à l'heure, oh là là, c'est normal que j'ai des problèmes de vue, je suis déjà un peu âgé, j'avance en âge, tout le monde a des problèmes. Mais ce n'est pas parce que c'est inculqué depuis l'enfance que c'est la vérité de Dieu. La vue et la vigueur de Moïse à 120 ans n'avaient pas faibli. Amen. Et quand on renonce à des mauvais systèmes de pensée, et ben derrière, on peut ouvrir la porte à la guérison. Une fois, j'ai eu un gars qui est venu dans un séminaire, il avait des sonotones, et il me dit « Frère, j'ai déjà été guéri de ses oreilles. » Je dis « Ah bon, vous avez été guéri de ses oreilles ?»« Oui, oui, une servante de Dieu est venue prier pour moi, et puis je les ai enlevées, j'entendais parfaitement. » Je dis « Ah ok, d'accord. » Et puis, je lui dis « Comment c'est revenu alors ?» Ben, elle m'a dit, derrière, elle m'a dit « Mais par contre, si tu pêches encore dans ta vie, le problème va revenir. » Je dis, mais qui c'est qui ne pêche pas, qui ne loupe pas le but? Même une mauvaise pensée, ça loupe le but. Je dis, si vous mettez foi en ça, bah, à chaque fois, ça va revenir. Je dis, bah, donc pardonnez à cette sœur qui vous a amené la bénédiction, puis la malédiction derrière. Quand il a pardonné et renoncé à cette parole de malédiction, instantanément, il a retrouvé l'audition. Il est important d'avoir des croyances justes aussi vis-à-vis de Dieu. Un autre frère qui me dit, il s'était fait une fracture, multifracturée de la jambe, handicapé pendant des années, et il me dit, gloire à Dieu. Je dis, bon, gloire à Dieu pour ça. Et puis il me dit, voilà, je voulais aller pêcher avec une femme à l'époque, et je pensais à elle et tout ça, et puis je me suis cassé la figure, j'ai glissé, j'ai eu l'impression qu'on me poussait dans une fosse, et je me suis fait une fracture ouverte, et gloire à Dieu, je ne suis pas allé pêcher avec cette femme. Je dis, écoutez, si vous croyez que Dieu va vous envoyer dans une fosse ou vous couper la jambe pour vous éduquer, vous empêcher d'aller faire ci ou ça, est-ce que Dieu ne peut pas envoyer un ange et puis vous stopper dans votre affaire ou vous parler clairement, ou est-ce qu'il ne peut pas empêcher que la réunion se fasse ou que votre voiture ne démarre pas? Je dis, bah, écoutez, renoncez à ce mauvais système de croyance, parce que si vous croyez que c'est Dieu qui vous a envoyé ça et que moi vous me dites de prier contre ce que Dieu vous a envoyé, je ne vais pas prier contre Dieu. Et quand il s'est repenti, on a prié, la fracture et les os se sont remis en place. Donc il est important aussi d'avoir une croyance juste vis-à-vis que Dieu, il ne va pas couper une jambe à son enfant pour pouvoir lui apprendre qu'il doit marcher droit. Est-ce qu'on le ferait, nous? Ben, il dit, si vous savez, vous êtes des gens mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien le Père vous en donnera des plus excellentes si vous les lui demandez? Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Donc, il y a des prises d'autorité aussi sur des mauvais concepts de pensée auxquels on a mis foi. Il y a une intelligence à être renouvelée. Des fois, quand on vit des situations de handicap, eh ben, on s'enferme dans une mentalité de handicap. Donc déjà, on est lié au niveau du corps, on commence à se lier au niveau de nos pensées, à sortir de la pensée de Christ. Et en plus, comme je sors dans mon âme de la pensée de Christ, je suis plus sur l'alignement du chemin et je suis livré au lion rugissant qui est en dehors du chemin, et j'ouvre aussi une brèche spirituellement. Parce que je ne reste pas sous la couverture de l'œuvre de Christ. Et donc c'est important, pourquoi? Parce que la guérison, Dieu il nous voit d'une manière holistique, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Et donc on a aussi un changement de mentalité à opérer. Vous êtes d'accord avec ça? Oh là là, Seigneur, guéris-moi parce que j'ai un cancer des poumons, nanana. Bah, Dieu ne veut pas te guérir de ton cancer des poumons si c'est pour t'accréditer à fumer 3 paquets de cigarettes par jour. Si c'est ça la racine. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, il peut le faire. Mais derrière, il va falloir qu'il y ait un changement parce qu'il te dit aussi, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire. Donc, il y a un changement, il y a un renoncement aux œuvres mortes.
Donc, comme je vous le disais, on est transformé à l'image de ce qu'on contemple, et puis c'est la foi qui permet de pouvoir recevoir les choses. La foi, c'est une ferme assurance des choses. Une autre clé aussi pour recevoir de Dieu, c'est que celui qui s'approche, comme je vous le disais, il faut qu'il croie qu'il ait reçu ce qu'il demandait. Oui ou non? Donc, si je crois que j'ai reçu quelque chose, je dois fonctionner comme quelqu'un qui a reçu. Oui ou non? Donc, moi, j'ai déjà prié pour des personnes qui étaient lourdement handicapées. Quand je leur disais, voilà, allez maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et marche, ou fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Oui, amen, pasteur, je reçois, je reçois. Et puis la personne repartait s'asseoir. Et elle essayait même pas de laisser tomber, de regarder s'il se passait quelque chose de nouveau, donc de s'approprier, de fonctionner en œuvre dans ce qu'elle avait reçu. Moi, je vais vous donner quelque chose. Vous savez, j'ai eu une petite altercation avec la police, donc j'ai eu ce bras handicapé, j'ai été opéré. Plus jeune, j'ai été un peu casse-cou, et donc je me suis cassé ce bras, et donc j'ai été opéré, quart externe de la clavicule enlevée, tout ça, voilà. Et donc, la médecine m'avait donné une reconnaissance de travailleur handicapé. Parce que je ne pouvais plus bosser dans le BTP comme je faisais avant. Les employeurs, en plus, ne voulaient même plus m'embaucher. J'avais une pension de travailleur handicapé. Et puis, on a prié pour moi et je me suis approprié la compréhension de ces réalités-là, que celui qui croit avoir reçu doit fonctionner comme quelqu'un qui a reçu pour le voir s'accomplir. On a prié pour moi. Je ne peux pas dire que j'ai senti vraiment quelque chose se passer, mais une chaleur pendant qu'on priait. J'ai dit, bon, je dois fonctionner comme quelqu'un qui a reçu ma foi. Si elle n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. Je suis allé faire quelque chose que la médecine me disait, vous ne ferez plus jamais ça. Et je suis allé faire le pire. J'ai dit, si je suis guéri, je dois fonctionner comme quelqu'un qui est guéri. Je suis allé faire 2 heures d'escalade, plus aucune douleur. La foi, si elle n'a pas l'œuvre de la foi, elle est morte. Cette personne que je vous montrais ce matin, qui avait une fracture ouverte à la vidéo avec les os qui sortaient du corps, quand je lui dis, lève-toi et marche. Ça lui coûte quand même de se lever alors qu'elle a encore les os qui débordent de la jambe. Mais parce qu'elle s'est levée et qu'elle a marché sur la parole de Dieu, donc comme quelqu'un qui croit avoir reçu fonctionne comme s'il avait reçu, elle possédait, donc elle s'est mise à marcher et un nouvel os a pris place. Mais la foi, elle est violente, c'est les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Oui ou non? Une fois, j'étais appelé dans le sud de la France et puis je priais pour plusieurs personnes. Et puis là, il y avait un gars, un légionnaire, où une partie de sa rotule avait été emportée par une mine antipersonnelle. Et puis il me demande de prier pour lui, pour la guérison. Et donc je commence un peu à lui imposer les mains. Et puis vous savez, on retombe vite dans nos mécanismes. Hein. Pourtant, je connais qu'il faut écouter Dieu, mais. Là, des fois, je refais du au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quoi. Seigneur, écoute, ton serviteur parle et tu t'alignes sur ce que moi je décide. Plutôt que parle, Seigneur, moi j'écoute. Et donc, je prie pour lui, je dis au nom de Jésus, voilà, sois guéri. Et je lui dis, essaye de te lever, regarde, il se lève et sa jambe craque et il tombe au sol. Oh, j'ai mal. Et puis ses bras, il faisait mes cuisses et puis il avait une tête de légionnaire. Et donc je me suis dit, voilà, s'il s'énerve, il va falloir que je sorte mon meilleur Krav Maga ou mes meilleures techniques de boxe. Seigneur, j'ai dit que j'arrêtais de me battre, je ne fais plus ces choses-là. Et lui, il était un peu énervé, quoi. Et pendant qu'il était un peu énervé, j'entends le Seigneur qui me dit, prends ton élan et mets-lui un coup de pied dans la jambe. Et donc je dis, Seigneur, parle-moi encore. Et donc j'entends oui, c'est bien moi, voilà. Et donc je lui dis, écoute, voilà, je peux faire quelque chose qui risque de te surprendre pour la guérison. Oh, oui, tout ce que tu veux, j'ai mal, je souffre. Je dis, ben, j'espère que tu n'auras pas plus mal après, quoi. Et donc je me vois dans l'esprit en train, comme de taper dans un ballon de foot, de prendre mon élan et de dire, sois guéri au nom de Jésus. Et donc je fais ça, et puis au moment où je tape, la rotule se recrée, elle est guérie. Et donc je dis, ben, Seigneur, ben, j'ai pas compris. Et là j'ai la parole qui tombe que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et qu'en fait je faisais violence à ce problème qui n'avait rien à faire, qui avait été payé à la croix.
Smith Wigglesworth, s'il y en a qui connaissent, qui ont lu ses livres, alors lui, c'était du high level là-dedans, c'est-à-dire que lui, il prenait les cadavres à une main, il leur mettait des claques, réveille-toi, toi qui dors, allez, c'est bon, toi, c'est bon. Bon, ceux qui avaient le cancer, il arrivait, Dieu lui disait, alors que c'était un plombier qui portait des bouteilles de 80 kilos à une main, il leur mettait un coup de poing dans le ventre, les gens vomissaient le cancer, ils étaient guéris. Mais c'est pareil, j'ai reçu de taper personne ce soir. Je lècherai pas l'oreille, je vais pas taper, voilà. Donc, Jésus, il a été envoyé à des endroits, il y avait plein de malades, et puis il a été des fois envoyé que pour une personne, à la piscine de Bethesda. Pourtant, il y en avait plein qui attendaient de se laver dans la piscine pour être guéris. Et donc, des fois, c'est même comme pour le prophète, hein, le prophète, des fois, il n'est pas appelé à être un moulin prophétique qu'on sort du chapeau. Parle pour toi, parle pour toi, parle pour toi, on le rentre dans le truc, et puis c'est bon. Non, peut-être qu'il va donner une parole à quelqu'un qui va changer sa vie, sa destinée, impacter le monde, et qu'il a un message à apporter pour faire rentrer les personnes dans le domaine prophétique, mais il n'est pas appelé à être un moulin à parole. Allez, on remet une pièce, prophète, donne-nous encore une parole. Ok, bon, alors je te vois, ne crains pas, me dit le Seigneur. Ah, ben, c'est tout, encore une pièce, alors. Bon, n'importe quoi, je suis taquin, je vous l'ai dit, moi, je... Donc Luc 18, à partir du verset 35, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et avant, il y avait un habit spécial pour reconnaître les personnes qui avaient besoin de l'assistance. Ça se voyait déjà d'une manière de loin, et en plus de près, on voit bien quand une personne elle est aveugle, vous êtes d'accord ? Et puis Jésus, non seulement que ça se voyait, que c'était évident, il connaissait les pensées. Les intentions de cœur, connaissait toutes choses. Et qu'est-ce qu'il va dire à cet aveugle ? Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit : c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria : Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Pourquoi Jésus lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse ?» Il faut qu'on reconnaisse notre besoin de Dieu et dans quel domaine. Dans quel domaine on veut diminuer ? Dans quel domaine on a besoin de sa grâce ? Dans quel domaine on est faible pour qu'il soit fort ? Mais tant qu'on est fort, il est faible. Et donc moi j'ai été surpris des fois de voir dans des conférences de guérison une petite dame, une mamie qui avançait avec son déambulateur, toute cassée vraiment, qui portait toute la souffrance et les fardeaux du monde sur elle. Et quand je lui disais, voilà, pour quel est votre besoin ? Oh, priez pour mon petit-fils qui est en train de passer ses examens et qui... Je dis, mais vous avez vu la personne guérie là ? Lui, vous l'avez vu repartir sans ses lunettes, et lui, et vous ? Mon petit-fils, moi ça va, je m'habitue. C'est triste, hein? Oui, voilà, ça aussi. C'est sûr qu'il faut renoncer, voilà, au bénéfice du handicap aussi pour être guéri. Même des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes de délivrance, de dépression, de mal-être intérieur, mais en fait, leur mal-être ou leur dépression, ils s'en servent aussi, ils ont un faux bénéfice derrière qui est là pour manipuler toute leur famille. Ou alors qu'on leur prête de l'attention à travers ça. On ne s'est jamais occupé de moi comme maintenant. Et donc, il faut renoncer aussi aux faux bénéfices. Donc, bien sûr, il y a la repentance. Il faut renoncer aux choses qui peuvent nous attirer ces malédictions. Vous êtes d'accord avec ça ? Si vous fumez, si vous buvez 3 bouteilles de vin par jour et que vous avez un problème au foie, bon, ben, écoutez, on peut prier pour votre foie, mais ce n'est pas ça l'origine. On va prier pour les bouteilles. On va prier pour bénir les...
Donc il y a la foi qui est agissante aussi de la personne même, et quand on a la foi, ben, normalement on doit faire une œuvre qui montre qu'on a cru, qu'on recevait ce qu'on demandait, oui ou non. La dernière fois on était au Bénin, et puis j'ai vu des personnes, simplement on était en train de dire, voilà, le Seigneur dans l'onction en ce moment, je vois, il est en train de guérir des problèmes de vue. Bon, il y a une personne, elle s'est levée de son fauteuil, elle a pris ses lunettes, oh, il guérit de la vue. Elle n'avait même pas le temps de voir si elle avait reçu quelque chose, elle a fracassé ses lunettes. Mais elle a fait une œuvre qui montrait qu'elle avait reçu, et donc elle a reçu. La femme du pasteur a commencé à mieux voir, mais ce n'était pas encore le top. Mais elle s'est dit, bon, je ne vais quand même pas mettre mes lunettes, parce que si Dieu commence quelque chose, il va le finir. Elle a tenu le bras en l'air, comme Moïse, pendant 3 jours. Et elle a conduisé, elle était un petit peu comme ça, mais elle a dit, non, si Dieu a fait, il va le faire, je crois que j'ai reçu. 3 jours après, elle a retrouvé la vue complètement. Et donc, on doit fonctionner dans l'œuvre de ce qu'on dit. Amen. Vous êtes d'accord ? Tu es guéri. Amen. Amen. Allez, je vais me rasseoir. Et puis, j'essaye même pas de regarder s'il y a un mouvement nouveau, si les choses anciennes sont passées, que maintenant, quand la parole est déclarée, toutes choses sont devenues nouvelles. Oubliant ce qui est en arrière et portant mes regards sur ce qui est devant. Donc, le mouvement aussi. Acte 17, verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais si Jésus, il ouvre une porte et que tu passes pas par cette porte, bah, tu peux rester alors que la porte est ouverte. Et c'est pour ça que j'ai entendu, je vous le disais ce matin, des fois après des conférences où j'ai vu des gens sauvés, des gens guéris, des gens délivrés, où moi j'étais super content dans la chambre où je logeais, j'étais Seigneur, merci pour ta grâce, et j'ai entendu Dieu pleurer. Et me dire, mais j'avais bien plus. Mais j'avais bien plus. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et il veut les télécharger, mais il veut aussi qu'on puisse faire notre part, le rejoindre dans son action. Donc le mouvement, c'est une clé, le mouvement pour pouvoir s'approprier la guérison. Je dois fonctionner en adéquation avec ce que je crois avoir reçu. Si aujourd'hui on vous dit, voilà, vous avez des gros problèmes, ou Dieu veut bénir quelqu'un physiquement, ou même matériellement, on vous dit, voilà, Dieu va te bénir et libère, tes problèmes d'argent sont payés, que tu dis amen, et que tu sors d'ici, et que tu fonctionnes comme s'ils n'étaient pas payés à t'inquiéter, bah, tu es en train d'alimenter une œuvre de crainte, et non pas une œuvre de foi, en l'amour de Dieu qui a déjà pourvu. Et c'est pour ça qu'on a vu des sous qui apparaissaient sur les comptes bancaires, on a vu de la multiplication de nourriture, on a vu des billets qui apparaissaient chez des personnes portes fermées dans des pays défavorisés, même en France métropole. Je vous l'ai dit ce matin, ils arrivaient à la caisse des supermarchés, la caissière disait, mais écoutez, je comprends pas, la machine, elle me met que c'est payé. Mais tout est possible à celui qui croit, mais pour croire, il faut fonctionner comme quelqu'un qui a reçu. Et quand tu tiens ferme et que tu ne doutes pas dans le fait que tu as reçu et que tu te mets en alignement d'eux, eh ben tu vas recevoir. Amen. Jacques 2, 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est... La foi sans les œuvres est morte. Et donc la foi, elle suppose un mouvement. Là, c'est par la foi, dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme en un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Il y a toujours eu un mouvement, vous êtes d'accord ? C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec le rebelle parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dis-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Ils ont tous mis leur foi en œuvre. Amen. Il y a toujours eu un mouvement. Et si aujourd'hui, peut-être que tu as eu un problème à ta jambe ou je ne sais pas quoi, ou une douleur, une vieille entorse ou quelque chose, ben en tout cas, si Dieu déclare ton problème et qu'il y a quelque chose qui se passe, tu dois essayer de passer par la porte, donc te mettre en mouvement pour le rejoindre dans son action, et oubliant ce qui est en arrière, c'est-à-dire fonctionner des fois violemment, même dans le fait que c'est derrière, écraser la tête du serpent.
Et donc, j'ai vu énormément, énormément de changements dans les personnes qui s'appropriaient ces choses-là et qui commençaient à fonctionner. J'ai vu un gars, un jour, il avait de l'arthrose, pareil, des douleurs terribles. Et puis, je lui dis, écoute, voilà, je ne vais pas prier pour toi, mais je te vois faire le tour de la pièce en faisant le salut militaire. Alors, lui, il commence à. Et des fois, ça me paraît fou ce que je reçois. Et donc, des fois, lui, je le vois, et puis, il commence à se mettre comme ça devant tout le monde. Et il fait deux fois le tour de la salle et il est complètement guéri. Et puis des fois, on voudrait que ça se passe de telle manière et Dieu veut faire d'une autre manière, vous êtes d'accord? C'est pour ça que je vous disais ce matin, même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs, les linges qui avaient touché Paul guérissaient les personnes. On l'a eu dans des conférences, on ne pouvait pas prier pour les personnes, mais on priait, on touchait, on disait voilà, puisez ce qui a puisé dans l'onction. Les gens tombaient en délivrance, étaient guéris, étaient libérés. Donc il n'y a pas une méthode de dire ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Même ce soir, si vous dites je m'attends à l'imposition des mains et à recevoir dans l'imposition des mains, bah, votre foi, votre focus, il est mis que là-dessus, alors que Dieu, il est bien plus large que tout ça. Et il peut vous toucher de toute la manière dont lui, il veut. Mais si votre foi, elle est bloquée là-dessus, bah, vous avez un système de croyance qui ne permet pas aux autres portes que Dieu voudrait ouvrir de s'ouvrir. Vous imaginez, dans la Bible, il y a une histoire dans 2 Rois 5, à partir du verset 11, la lèpre de Naaman. Il vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Vous imaginez, vous êtes venu peut-être aujourd'hui, demain, et pendant tout le séminaire, il n'y a personne qui vous impose les mains. Vous êtes déçu, j'aurais cru qu'on me communiquerait l'onction, j'aurais cru que j'aurais la guérison, j'aurais cru que j'aurais la délivrance comme ça. Et si Dieu voulait faire autrement? Et s'il n'était pas allé se laver 7 fois, est-ce qu'il aurait eu la guérison de sa lèpre? Et s'il y était allé 2 fois? Donc Dieu, il fait tomber les murailles au bout de 7 fois, vous êtes d'accord? Donc des fois, le Seigneur, il nous demande encore, tire encore une flèche, bande ton arc et tire des flèches comme dans Roi. Et il lui dit, c'est des flèches de délivrance, c'est parce que tu as tiré 3 flèches, tu vaincras que 3 fois, tu aurais tiré 5 ou 6, tu aurais vaincu jusqu'à l'extermination. Donc le Seigneur, des fois, il nous appelle, il n'y a pas une méthode. Jésus, à un moment, il fait avec sa salive, il fait de la boue, il met sur les yeux. Et là aujourd'hui, imaginez le Seigneur, il veut faire comme ça. Oh non, non, le Covid, oh non, non, l'hygiène, oh non, non, ci, oh non, non, ça. Donc est-ce que Dieu veut faire de la manière dont il veut? On peut avoir fonctionné et puis se lasser, se dire, ah, mais on est déjà tapé, on a déjà tiré des flèches. Mais ce n'est pas la manière de faire, ce n'est pas le système des fois qui n'est pas bon. C'est que les choses, elles doivent être faites sur la parole de Dieu. Luc 5, versets 4 et 6, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils avaient déjà fait. Mais ils ne l'avaient pas fait sur la parole de Dieu. Donc des fois, c'est même pas le système, on va dire, ouais, c'est un système. Dieu, il a prévu des systèmes, des fois, de fonctionnement. Mais ce n'est pas fait sur sa parole, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas son axe, ce n'est pas son temps. Donc, sans la foi, Hébreux 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ce que Dieu nous adresse personnellement. Donc c'est ça la foi. Sans ça, il est impossible de lui plaire. Et quand Dieu te parle, derrière, la foi, il faut que celui qui s'approche, il croit que Dieu existe, il croit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Sinon, ben la foi est inefficace puisque la foi, c'est une ferme assurance. La foi possède les choses. La foi, c'est une démonstration, une preuve certaine. C'est ça le mot démonstration.
Donc, si tu as la foi, eh ben, le Seigneur, aujourd'hui, ce soir, si tu reçois par la foi les choses, il va falloir que tu te mettes en mouvement. Amen. Il y a une autre clé, des fois, comme je vous le disais ce matin, c'est la clé de la persévérance. Pourquoi? Parce que des fois, on plante une graine et puis derrière, on va tout de suite l'annuler. Priez pour ma famille parce que cette situation est désespérée. Au Christ, je prie pour vous au nom de Jésus. Nanani, nanana, nanana. Amen, amen, amen. Et puis je sors de la conférence, j'appelle une amie, prie pour ma famille parce que machin. Et puis je raccroche avec mon ami, prie pour ci, pour ça. Amen, amen, je reçois, je reçois. Non, t'as rien reçu. Tu montres dans tous tes actes et dans toutes ces œuvres que tu déracines chaque graine qui a été plantée parce que t'as pas confiance que Dieu il a entendu et qu'il va s'occuper des choses. Et des fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier ou pas avoir des intercesseurs, mais je dis que des fois, on ne le fait pas dans l'obéissance à Dieu, donc dans la foi, mais on le fait dans les œuvres de la crainte. Comprenez? Et moi, quand je priais, je vous le disais, au début, toutes les nuits, on m'avait dit oui, la flèche qui vient la nuit, et nanani, et nanana. Et ben, au début de ma conversion, j'étais parano. Et je liais, je reliais, je déliais, je scie pendant 2 heures avant d'arriver à me dormir. Jusqu'à ce que finalement bah, je sois fatigué, je dis ouais, si je dois faire ça pendant 40 ans, 50 ans, c'est relou quoi. Et donc j'ai dit bah, ce soir je dors bien, Seigneur, je suis fatigué, je vais pas faire tout ça, et puis j'ai bien dormi. Et donc c'était que des œuvres de la crainte. Imaginez, on prie pour vous et vous dites allez, comment ça va? Ah ben bah, oui, je me sens mieux, pour le moment ça va mieux. Donc pour le moment, ça va mieux, il est terrible parce que ça veut dire que tu es en train déjà de te projeter dans le fait que la porte va être ouverte à ce que ça revienne. Ou alors, regardez, un système de croyance complètement du royaume des ténèbres. Ouh là là, aujourd'hui il fait froid, demain je risque de tomber malade. Ben, le lendemain, tu tombes malade. Et on est programmé avec des mauvais systèmes de croyance qui attirent, puisque la foi... C'est ce qui hérite de la promesse. Donc soit tu mets foi en l'œuvre de l'ennemi et tu hérites de la promesse de l'ennemi, soit tu mets foi en Dieu. Donc Marc 8, verset 23, il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Donc il voyait un petit peu, mais il voyait pas complètement. Et donc même Jésus, il a dû écouter le Père lui dire encore, tire une flèche. Et donc il a reprié, et puis finalement, il regarda fixement, il vit tout distinctement, il fut guéri. Amen. Donc ça veut dire que même Jésus, il a dû prier plusieurs fois. Et quand nous, on nous dit, oui, mais la délivrance, c'est comme ci, ou comme ça, bah, toute la Bible ne nous dit pas les mêmes choses. Deux rois 13, donc c'est l'histoire d'Élisée qui dit au roi de bander son arc et de tirer des flèches et que ce sont des flèches de délivrance et il lui dit de tirer un nombre de flèches et parce que le roi ne tire pas le bon nombre de flèches, il vaincra pas totalement, il dit tu vaincras seulement 3 fois. C'est ce qui s'est passé dans la délivrance. Moi je vous expliquais pour la Kundalini, ça a pris 3 ans de délivrance. Et on a tapé, on a tapé, on a tapé. À un moment, ça commençait à me gonfler parce que partout où j'allais dans des groupes qui étaient un peu ouverts au prophétique et à la délivrance, oh, je vois un serpent, je vois la Kundalini. Et ah bon, mais on a déjà prié pour ça 15 fois. Bon, bah allez, faites-vous plaisir. Et au bout d'un moment, oh, je vois, allez, oui, c'est bon, je sais, la Kundalini. Et priez, priez, priez. Et puis au bout d'un moment, bah, la coupe, vous savez, la Bible, elle dit qu'il y a une coupe et il y a les prières des saints qui vont dedans. Ben, au bout d'un moment, c'était comme si la coupe était pleine et elle pouvait déborder de la grâce de Dieu. Et j'ai senti un jour, ils n'ont pas prié plus, pas prié moins, mais j'ai senti un truc s'arracher et j'ai eu la libération. Mais des fois, on se relâche alors qu'il y a des temps où il va falloir encore persévérer. Amen. Donc la Bible dit que tous ceux qui auront cru en mon nom, en son nom, ils imposeront les mains et chasseront les démons. Là, qu'est-ce que vous croyez que c'est réservé à une élite de super archi, bishop, trishop, prophéto, pololo? Voilà.
Dieu, il veut un peuple qui se lève guerrier et qui délivre et qui fait de la délivrance et qui prie pour la guérison et qui manifeste en œuvre les œuvres du royaume. Et donc, quand on a fait tomber ces pans de raisonnement que c'était réservé qu'à une élite, dans certains, c'est encore une forteresse de pensée. Eh bien, on a commencé à avoir des assemblées conformées où tous, ils ont des témoignages où ils ont prié, il y a eu des guérisons. Tous, ils ont des témoignages où ils ont prié, où il y a eu des délivrances. Donc, il est important d'avoir des croyances justes, sinon on reste enfermé. Il y a même des gens qui n'osaient pas. Non, non, moi, j'ai pas le don de guérison, c'est réservé à telle personne. Et donc, le gars, il arrivait, oui, moi, la guérison, ok, c'est moi qui l'ai. Et je priais. Et le problème, c'est que ce gars-là, il n'est pas là tout le temps dans le contexte de travail, dans ci, dans ça, dans la rue. Et à un moment, Dieu, il veut se servir de toi. Et quand il dit à un tel, il a été donné le don de ci, à un tel, il a été donné le don de ça, il y a un contexte dans lequel c'est donné. C'est pour l'édification commune. Donc, aujourd'hui, s'il n'y a pas de malade, ça ne sert à rien que l'onction et le don de guérison se manifestent. Et à un tel, il l'est donné dans le corps de Christ au moment où, pour l'édification commune. Mais s'il n'y a personne qui est édifié par le don de guérison, qui grandit, qui est bâti, que ça aide, ben c'est pas ça qui va se manifester. Amen. Comme le prophétique. Paul, il dit, on peut tous prophétiser. Oui ou non? On a reçu la plénitude de Christ en nous. Amen. Donc c'est important aujourd'hui, voilà, qu'on puisse aussi guérir de nos blessures intérieures. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des personnes qui avaient des traumatismes tellement profonds, des systèmes de croyances ancrés sur leur vie, qu'au bout d'un moment, au niveau des connexions neuronales, ça envoie aussi un message et une impulsion au corps qui va faire dégénérer le corps. Soit les connexions neuronales envoient un message chimique qui va produire la vie dans tout le corps, soit un message d'erreur. Et on a eu des personnes qui, dès les fondements de leur vie, ils n'ont pas été désirés, pas été acceptés, pas voulus par leurs parents. Donc la personne, elle a grandi en pensant qu'elle est un fardeau, un poids, qu'elle est de trop et qu'elle est une erreur. Tout le corps s'était mis en mode échec, en mode erreur. Des maladies, des problèmes. Et c'était pas dans le domaine de la délivrance, c'était pas dans le domaine de la guérison physique, c'était dans le domaine d'une transformation des pensées. Et quand la personne, Dieu a mis le doigt sur la pensée profonde qui était enracinée, que la forteresse a été renversée, la colonne vertébrale qui était tordue à plus de 30 degrés s'est redressée instantanément, les problèmes de peau ont cessé. Donc simplement le fait de posséder, d'avoir les croyances justes, d'avoir la foi en ce que Dieu dit de nous, ben ça permet déjà la vie. Vous êtes d'accord ? Donc c'est important aujourd'hui, ben, on a des traumatismes. Alors, j'ai fait un petit dessin et c'est un Père Noël qui dit « Fiston, dis-moi ce qui te tourmente, tu peux tout me dire. » Et le petit il dit « Écoute papa, le Père Noël n'existe pas, mais Dieu alors ?» Et c'est signé « Joyeux trauma ». En fait, pour pouvoir expliquer que justement on crée des traumatismes, on crée des fractures et on crée des séparations d'avec le Père et d'avec le fait de croire à quelque chose de surnaturel qui est là, d'un Dieu qui existe, parce qu'on sape la croyance des enfants très tôt, très jeune. Vous regardez des enfants, ils sont tous attirés vers les choses spirituelles ou un peu surnaturelles. Parce qu'on est fait pour cette dimension, il créa d'abord le ciel et ensuite la terre. Et puis on vient leur saper par des mensonges, par des traumatismes, par des choses comme ça. Moi je m'étais bloqué quand j'étais enfant, je me rappelle, c'était un traumatisme de découvrir que c'était le voisin en tirant sa barbichette et qu'on m'a toujours menti et que tous ceux que j'aimais m'ont trahi et qu'il n'y avait rien finalement de féerique ou de surnaturel dans cette vie. Donc j'étais parti comme un mécanisme de pensée à l'extrême inverse, très cartésien. Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. Tel il est à l'intérieur, tel il est à l'extérieur. » C'est ça que ça veut dire. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir réaligner ses pensées sur la pensée de Dieu. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, 16, et que l'Esprit de Dieu habite en vous.
Il va falloir aussi changer dans notre corps, dans la manière et dans l'hygiène pour pouvoir aussi prendre soin du temple que Dieu nous a confié. Amen. Donc aujourd'hui, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais est-ce qu'il nous dit qu'il est inutile? Non, il nous dit que l'exercice de la piété est utile à tout. Mais il ne nous dit pas que c'est inutile, on a quand même une mécanique à faire tourner. On a quand même un soin à prendre de nous, vous êtes d'accord? Ces pasteurs-là qui sont, ils pèsent 300 kilos aux États-Unis, qui te disent Dieu est amour, et ci et ça, et qui mangent trois Big Mac juste derrière. Moi, je suis allé aux États-Unis et je trouvais hallucinant. Je dis, mais vous buvez que des boissons sucrées toute la journée, vous mangez que des trucs. Oui, c'est la grasse, c'est la grasse. Je dis, mais c'est la graisse un peu là. Non, mais. Dieu nous appelle aussi à prendre soin de notre temple et à faire ce qui est en notre force. Il dit tout ce que vous pouvez faire avec votre force, faites-le. Il y a des choses qu'on peut faire avec notre force à nous pour prendre soin de nous. Est-ce que déjà on peut faire des jeûnes de temps en temps? Même sans que ce soit un jeûne hyper spirituel, des fois 3 jours de jeûne, on renouvelle son système cellulaire. Et il n'y a personne qui est mort de faire 3 jours de jeûne. Donc c'est important, Dieu s'intéresse à l'hygiène. Il y a des conseils très pratiques. Ne bois pas que de l'eau, mais un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Et à l'époque, l'eau, tout n'était pas buvable. Si vous allez dans des pays défavorisés, vous allez boire, et ben vous allez voir que l'eau qui a été filtrée par les racines de la plante, et ben finalement, ce qui revient avec le jus de la plante, et ben c'est ça qui va vous amener la vie. Parce que si vous buvez de l'eau à côté, dans la mare ou dans la rivière, ça ne va pas vous amener la vie. Ou même dans tel ou tel puits. Donc, il y a des conseils très pratiques. Amen. Quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, écoute, j'ai mal au dos, nanani, nanana, et c'est quelqu'un qui a fait que du travail de force et qui me dit de prier pour son dos. Mais son dos, il s'est musclé avec le temps, vous êtes d'accord avec ça? Il a fait que du travail, a porté des charges et il a arrêté son boulot. Je lui dis, écoute, je vais prier pour ton dos, effectivement, parce qu'il y a sûrement des choses, mais je pense qu'il faudrait que tu entretiennes ton dos et que tu t'étires de temps en temps et que tu continues à entretenir la mécanique, parce que si ton muscle s'affaisse, ton corps il s'est adapté à une musculature, et puis derrière, il va y avoir des choses qui vont tomber et qui vont être sûrement douloureuses. Eh bien, en refaisant du sport et un peu d'exercice, les douleurs au dos passent. Proverbe 15, 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et même il nous dit dans sa parole, un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Et donc c'est important aussi aujourd'hui, ce matin, vous voyez, il a commencé à avoir une onction de joie, et on va aller, j'espère, de gloire en gloire, et que ça va encore décaper dans ce domaine-là, et que vous puissiez lâcher prise dans ce que Dieu veut faire. Parce que des fois, je voyais des gens, vous savez. On se constipe un petit peu, et puis voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que si? Attends, moi je suis quelqu'un de stature, non. Mais Dieu veut. Dieu veut qu'on redevienne comme des petits enfants. Donc Dieu, il nous appelle aussi à marcher, des fois, dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que le salut, c'est aussi un chemin, vous êtes d'accord, sur lequel on marche. Et si Dieu il te dit, fais ça, et que toi tu dis, non, non, moi je ne fais pas ça, je veux d'abord ma guérison avant de faire ça, il faut savoir que quand tu marches dans l'obéissance, tu marches aussi dans ta guérison. Mon ex-femme est décédée pendant qu'on était en mission. Ça a été un très 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 gros coup pour moi, parce qu'on voyait guérison de cancer sur guérison de cancer, et elle est partie d'un cancer généralisé. Et donc, j'ai pris un sacré coup, j'ai commencé à être abattu un petit peu, à dire à Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait, nanani, nanana, à pas être bien, à vouloir un peu me mettre à l'écart et attendre que la blessure passe, que je sois guéri avant de pouvoir. Et je demandais à Dieu, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, continue de courir sans t'arrêter. Et donc, 3 mois après, alors que j'avais aucune force, je suis parti en mission au Cambodge.
Et une nouvelle onction m'est tombée dessus, alors que moi j'étais en pleurs, je pleurais tous les jours, je voyais des guérisons, je dirais merci Seigneur, mais pourquoi ma femme, nanani, nanana. Et parce que j'ai continué à marcher dans l'obéissance à ce qu'il m'a demandé, un jour Jésus se pointe et puis je vois une cellule, et puis je suis dans cette cellule et je regarde une pierre tombale et Jésus me prend la main et me fait sortir dans la vision. Et du jour au lendemain, j'ai été enlevé du fardeau du deuil, extrait de la captivité. Et personne n'a prié pour moi pour dire, allez, je chasse un esprit de scie, de mort, de deuil, d'abattement, tout ça. Non, c'est sorti dans l'obéissance. J'ai un ami à moi qui intervient en Syrie, en Irak, en Turquie, un gars qui a vécu des téléportations, qui s'est fait électrocuter pour livrer les communautés chrétiennes, coups de machette et tout. Il a laissé sa famille, ses petits-enfants, tout ça pour pouvoir servir le Seigneur. Et puis, il fait trois AVC sur le champ missionnaire. Une partie de son corps lourdement handicapé, paralysé. Et à chaque fois, chaque AVC, Dieu lui a dit, continue à marcher. Et il a continué à faire l'œuvre qu'il faisait, guéri du premier AVC. Et l'ennemi l'attaque sur un deuxième. Je ne me relâcherai pas, je continue, tu m'as dit que c'était là que tu me voulais. Il a continué à marcher, guéri du deuxième. Troisième, continue à marcher, guéri du troisième. Et donc, la guérison, c'est aussi un chemin dans lequel on doit marcher. Et si Dieu te dit que c'est comme ça, si Dieu te dit là tu fais le pas là, ben c'est que c'est un pas où tu marches dans ta bénédiction. Et quand tu vas arroser, tu es aussi arrosé. Des fois, quand tu ne veux pas arroser parce que tu attends d'être guéri, et ben tu loupes ton arrosage. Donc c'est important de comprendre qu'il y a une marche dans le salut, une marche dans la guérison, une marche dans la délivrance. Amen. Comment j'ai été libéré de l'esprit de peur? Ben, je vous le disais ce matin, en allant me confronter aux douaniers dans des pays musulmans avec un sac chargé d'évangiles et de DVD. Et ben, quand j'ai passé la frontière, il y a aussi ma peur qui a passé la frontière. Enfin, elle n'a pas passé la frontière, elle allait rester derrière. Et j'ai passé un nouveau cap et un esprit de peur est mort. Mais il y a des fois des choses où ça va être bien pratique pour vivre notre guérison, notre délivrance. Gédéon, il pouvait lui opposer tous les arguments qu'il voulait, mais ma famille et nanani, et moi je suis ici, et moi je suis ça, va avec la force que tu as. Ah bon, je ne veux pas faire une école de guérison intérieure d'abord, et un petit peu de délivrance, nanani, et hein. Et donc des fois, Dieu il te dit, va, et c'est dans la marche qu'il va te guérir, qu'il va te construire, qu'il va te délivrer. Et donc si tu attends d'être avant d'eux, bah, tu peux peut-être attendre toute ta vie, parce que c'est la marche que tu vas faire qui va être guérison ou délivrance. Ça va? Une autre clé, qui paraît tellement évidente qu'on l'oublie, c'est la clé du pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une jolie formule, ça on l'entend depuis tout petit. Mais est-ce que tu veux vraiment que Dieu te pardonne comme toi aussi tu pardonnes? Et donc le pardon, j'ai eu beaucoup de témoignages de guérison simplement par le pardon. Une fois, je vais chez, c'était des Roms à Valence, une communauté de Roms, et donc j'interviens, et puis la femme, je prie pour une femme, elle avait un goitre, un coup comme ça, quoi. Et puis au moment où je vais pour prier pour elle, pour sa guérison, je vois une scène où je la vois en train de crier sur son mari, de le maudire tout ce qu'elle peut, de le rabaisser, et toutes ces choses-là. Et je lui dis, écoute, ton mari, il est là ou, Elle me dit oui, il est là dans le salon, nanana, il peut venir, et son mari n'était pas chrétien. Elle était censée l'être. Et donc, je lui dis, écoute, voilà, j'ai une image, est-ce que ça se passe comme ça dans ton corps? Oh, oui, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire d'elle, machin, elle est toujours en train de me rabaisser, de me critiquer, de me casser. Et je lui dis, écoute, voilà, quand tu maudis l'autre, là, vous faites un spirituellement, tu es en train de maudire ta propre chair, donc tu te maudis toi-même. Et puis je lui dis, voilà, est-ce que tu décides de changer là-dessus? Donc elle commence à pleurer, nanani, nanana, parce que le péché est dévoilé. Donc finalement, ben, elle décide de demander pardon à son mari. Son mari, même pas chrétien, mais décide de lui pardonner, donc de lui remettre sa dette.
Au moment où il lui remet sa dette, son mari, le Saint-Esprit lui tombe dessus, il est baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, je lis un passage dans la Bible pas longtemps avant qui dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais l'homme, ni l'homme, mais la femme. Donc je comprends qu'il y a une autorité spéciale du conjoint sur le corps de l'autre. Et donc je lui dis, écoute, voilà, est-ce que tu pries, tu poses ta main sur ta femme et tu ordonnes à ce goître de disparaître ? Il a prié, le goître s'est commencé à se résorber et est complètement disparu. Mon ex-belle-mère, cancer généralisé, elle avait tout fait, chimio, rayons, lui avait vissé le crâne, le cancer était dans le cerveau, de partout. Et en fait, bon, il y a eu une source occulte à tout ça, qui était au fondement, mais après il s'en était repenti, mais il y avait une autre porte qui était ouverte et qui la tenait toujours dans le cancer. Et en fait, un gars qui lui avait racheté sa maison, parce que son mari était décédé, ils avaient vendu leur maison dans Montpellier, et il y avait eu un dégât des eaux derrière, il a fait témoigner faussement du voisinage, il s'est mis en arrêt maladie avec sa femme, le procès a duré des années, les empêchant soi-disant de travailler, ils ont mis tous les intérêts, les trucs, le prix de la maison, et finalement elle a perdu 600 000 euros dans l'histoire. Et donc, on lui a dit, bah, écoutez, il faudrait que vous pardonniez à cette personne. Elle commençait à être touchée par le Saint-Esprit, à vivre quelque chose d'une relation avec Dieu où elle était conduite vers le Père et vraiment, elle avait des guérisons très profondes, mais le cancer était toujours là. On l'a baptisée et on lui a dit, voilà, est-ce que vous décidez de pardonner ? Au moins, vous lâchez ces fardeaux parce que c'est vous que ça ronge depuis tant d'années. Donc, elle est allée voir cette personne qui était son pire ennemi. Elle lui dit, écoutez, voilà, je me suis mal comporté, je vous en ai voulu, nanani, et je vous demande pardon et je vous pardonne. L'autre, il a rien compris, mais bon, allez, vous me pardonnez, c'est bien, je vous ai arnaqué, allez-vous-en. Mais elle, son fardeau a été déchargé. Elle a guéri instantanément du cancer généralisé. Donc, le pardon, c'est pas quelque chose qui est à négliger. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, la dernière fois j'ai fait une réunion simplement sur les personnes qui ont pris la communion, donc la scène dans des mauvaises dispositions. Et la Bible elle nous dit que si tu viens communier et que tu viens prendre la scène sans discerner, sans le prendre convenablement dans les dispositions dans lesquelles Dieu nous veut et qu'on règle les choses entre frères et sœurs, qu'on s'attende et qu'on se respecte et qu'on se montre de l'amour quand on vient communier, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et même qui sont morts. Eh ben, on a prié, il y a eu des repentances très profondes, on priait pour la délivrance, les gens se mettaient à vomir, les gens étaient guéris. Juste sur avoir prié dans des mauvaises dispositions. Amen. Donc c'est important aujourd'hui de pardonner. Pierre, il est un peu bourrin des fois, hein. Matthieu 18, 21, 35, Pierre s'approchant lui dit « Mais combien de fois je devrais pardonner à mon frère ?» Il y a des gens qui se sont amusés à compter. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir dans les réunions. « Voilà, j'ai pardonné 7 fois, 77 fois, mais là, je ne peux plus. » Je leur dis « Mais 7, c'est le chiffre de la plénitude, de l'accomplissement. » Il te dit « Pardonne », il ne te dit pas compte le nombre de fois où la personne va t'offenser. Matthieu 6, 14, 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. La crainte aussi, elle va être à déposer sur l'autel à Dieu. Job, pourquoi toute sa famille, pourquoi il y a eu un tel désastre ? On nous dit qu'il était juste, il était juste selon un cadre légal, mais pas juste selon la connaissance de Dieu. Et il faisait des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché. Donc ce n'était pas des sacrifices d'action de grâce, mais des sacrifices de crainte, de projection de crainte pour pas qu'il arrive malheur à sa famille. Et il a dit, mais ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé, ce que j'ai redouté, c'est ce qui m'a atteint. Et il a dit, quand il a vu Dieu, ah mais oui, je ne te connaissais pas. Et je me repens.
Donc il s'est réaligné. Et derrière, il a pu vivre la restitution et même en abondance. Donc, le Seigneur, il nous appelle aussi à fermer les portes de la crainte. La crainte, c'est quoi? C'est de la foi, mais de la foi en ce que dit l'ennemi. On est fait pour fonctionner par la foi. Hein. Vous savez, si aujourd'hui on prend la voiture, ça veut dire qu'on croit qu'on va arriver d'un point A à un point B sans avoir d'accident. Sinon, personne ne prendrait la voiture. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et donc, on fait une œuvre qui montre qu'on croit. Vous êtes d'accord? Rappelez-moi ton prénom. Max. Max, ouais. T'attrapes? C'était pas pour t'humilier, voilà. C'était simplement pour illustrer que, regarde, t'as cru que j'allais envoyer la bouteille d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta foi s'est mise en œuvre. Ce que tu crois amène forcément une action, sinon ça veut dire que tu ne crois pas. Donc on est fait pour fonctionner par la foi, et notre foi amène une action dans ce qu'on croit. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, il croyait qu'il allait recevoir la bouteille d'eau, il s'est mis en position comme quelqu'un qui a reçu déjà la bouteille d'eau. Donc si on prie pour vous ce soir, et que vous avez une douleur, vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose, ben, il faut commencer à vous mettre en position de quelqu'un qui peut faire les choses qu'il ne pouvait pas faire. Et moi, je ne vous conseille pas, parce que des fois, on prie pour la personne, mal au cervical, on dit, voilà, tourne ta tête maintenant et regarde s'il y a quelque chose qui se passe. Déjà, rien que dans le premier mouvement, on sait si déjà la personne elle a la foi pour recevoir ce qui est en train de se passer. Amen, je reçois. Amen. Alors pourquoi tu n'essayes pas de tourner un peu plus la tête si tu fonctionnes comme quelqu'un qui a reçu? Après, si ça bloque, ça bloque, mais essaye au moins de bouger plutôt que de mettre de la peur en tournant, parce que tu es encore en train de te projeter dans le fait que ça n'ira pas. Vous voyez, c'est subtil. Hein, donc aujourd'hui, il faut être sûr aussi que Dieu nous aime. Et aujourd'hui, il y a des personnes, comme je le disais tout à l'heure, oui, amen, je reçois, je crois que Dieu va me guérir. On prie pour toi et tu dis, je crois que Dieu va me guérir. Donc dans ta dimension de foi, dans l'espace et le temps, alors que l'éternité c'est maintenant, Dieu, l'éternité envahit le temps. Dieu, il est je suis, il n'est pas je serai où j'étais. Toi, tu es en train de dire amen, je reçois que je serai guéri quand? Et aujourd'hui, je te dis, Dieu veut te guérir maintenant. Demain, il veut te guérir maintenant. Mais des fois, on est en train de projeter loin, à moins que Dieu t'ait parlé, t'ait dit, je vais faire comme ça, je vais faire telle étape. Mais si tu n'as rien dit, pourquoi toi, tu vas le programmer déjà loin dans l'espace-temps? Donc tous les jours, je m'attends à la grâce de Dieu, puisque je suis béni toutes sortes de bénédictions. Et même quand il dit le bonheur et la grâce, alors c'est pas m'accompagneront en hébreu, le mot en hébreu, il a plus la notion de persécuter. Le bonheur et la grâce me persécuteront tous les jours de ma vie. C'est pas beau ça? Oh, un cadeau, encore une guérison, un élargissement, il fraye un chemin, une connexion divine. Mais Dieu veut te persécuter par sa grâce. Oui, le bonheur et la grâce me persécuteront tous les jours de ma vie. Qui veut être persécuté par la grâce ce soir? Dis à ton frère, il va te persécuter ce soir. Donc c'est important aujourd'hui qu'il y ait une atmosphère de foi, comme je le disais ce matin, l'atmosphère d'incrédulité ou le fait qu'il n'ait pas la liberté de faire ce qu'il veut peut bloquer. Cette femme pasteur à Madagascar dont je vous citais l'exemple, j'ai prié pour elle avant la réunion, elle n'a rien reçu. Après la réunion où elle s'est ouverte, où elle a vu beaucoup de miracles et de choses comme ça, elle a voulu recevoir, son cœur était ouvert, l'onction qui était en moi était la même. Mais sa disposition de cœur était différente et j'ai même pas eu besoin de la toucher, elle est tombée, elle a été guérie et parlait en langue. Donc ce soir, si on vous dit oui, on va prier pour vous, et vous dites oui, Seigneur, je te laisse faire ce que tu veux, mais que vous commencez à avoir une manifestation, je sais pas, de délivrance, vous allez pleurer, vous dites non, moi je pleurerai pas devant les gens, ben, si Dieu veut vous guérir comme ça,
Ou si vous allez vous marrer, que vous dites non, moi je ne me marrerai pas, je dois tenir bonne figure. J'ai vu une femme, elle est tombée par terre, elle s'est marrée pendant 1 heure et demie. Mais vraiment, elle se bidonnait, je ne sais pas comment elle faisait. C'était... Et elle a perdu 3 tours de taille. Dieu faisait comme ça. Elle a maigri surnaturellement. Il n'y a pas longtemps, sur le Zoom, on en a une, elle a perdu 7 kilos juste au temps de la prière. Mais tout est possible à celui qui croit, vous êtes d'accord? Donc ce soir, est-ce que tu t'attends à recevoir? On a vu des os fracturés complètement se remettre en place. On a eu des broches en fer dans le corps disparaître ou du en fer comme du bubble gum. Les gens peuvent marcher alors qu'ils étaient liés normalement et soudés complètement. Dieu peut faire ce qu'il veut. Amen. Mais la foi, elle doit se mettre en œuvre. Et des fois, il y a un positionnement à tenir. Et des fois, il y a aussi le fait que si on ne redevient pas comme des petits enfants, on ne pourra pas avoir les promesses de Dieu. Vous avez vu ces enfants ce matin? Et donc Dieu, il veut libérer des choses comme ça. Il veut qu'on redevienne comme des petits enfants. Mais un petit enfant, il croit tout. Un petit enfant, il espère tout. Un petit enfant, il laisse le Seigneur faire et il s'abandonne complètement dans les bras du Père. Et comme je vous le disais, des fois aussi, quand des gens tombent par terre, quand les genoux fléchissent, puisque c'est biblique, il dit au nom de Jésus, tout genou fléchit, ben Dieu, il se plaît à mettre l'ennemi dans la position où il a voulu mettre Jésus, si tu te prosternes et m'adores. Et donc, des fois, à travers la chair et le corps qui plient le genou sous le poids de la puissance de Dieu, et ben des puissances quittent ou quelque chose est vaincu sur la vie de la personne. Donc si Dieu veut faire comme ça, puisque des fois on a vu des gens, franchement, on priait pour eux, ils disaient oui, je lâche prise. Amen, Seigneur, je lâche prise. Et puis la personne, elle était raide comme un piquet, et puis elle se laissait pas faire. Il est important que Dieu il puisse faire tout ce qu'il veut faire. Amen. Si toi tu lui dis, Seigneur, fais ce que tu veux, mais pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, mais comme ça. Il fait pas ce qu'il veut. Amen. Et donc même s'il veut te guérir en dansant, une fois on prie pour des personnes et les personnes commencent à se mettre à danser, you, comme ça, et puis ils se mettent à faire des mouvements, ben la personne elle a été complètement guérie de toutes les douleurs de son corps par le mouvement et l'aide parce que Dieu était en train de faire comme ça. Donc même si ça vous paraît barré, moi le Seigneur il a cassé beaucoup de codes, hein. J'ai fait des expériences où je me dis mais c'est toi Seigneur, c'est du délire, et quand j'en ai vu le fruit, ben, j'ai vu qu'effectivement oui. Et une partie de mon ministère, c'est casser les codes religieux. Donc, moi, j'aime bien ça en plus. Donc, ce soir, ben, on va voir ce que Dieu veut faire. Mais en tout cas, si vous vous avancez, avancez-vous en laissant toute la liberté au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Amen. Et quand Dieu vous dit, que veux-tu que je te fasse? Ben, des fois, simplement dans l'onction, il y a à puiser tout ce que vous avez à prendre. Amen.